Bonjour à tous, votre JT des produits de bourse avec Trading Central. Air Liquide anticipe un effet positif sur ses revenus de l'évolution des taux de change, un impact positif d'1,5% à 2% sur son chiffre d'affaires en 2019. Les analystes de Trading Central sont haussiers sur le titre et visent des cibles à 126,2€ et 129€. Vivendi réclame la tenue d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire afin d'annuler certaines résolutions approuvées par les actionnaires de Mediaset en avril dernier, et notamment le mécanisme accordant des droits de vote doubles aux actionnaires de long terme de Mediaset. Les analystes de Trading Central sont haussiers sur le titre et visent des cibles à 25,05€ et 26,02€. La stratégie du jour, Engie, l'accélération haussière du titre observée le 3 juillet lui permet de casser la résistance des 13,82€ et de combler le trou de cotation baissier ouvert le 28 février dernier. Du côté des indicateurs techniques, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances ont effectué un croisement haussier sous les cours. Ainsi, au-dessus de 13,44€, la formation d'une nouvelle jambe de hausse est attendue en direction de 14,21€, puis 14,82€ en extension. Positionnez-vous à l'achat sur le Varan Call D245T, émis par Unicredit, de prix d'exercice de 14€ et de maturité au 18 décembre 2019. Enfin, notre coup de projecteur sur le CAC 40. Le principal indice de la place parisienne a pris appui sur le support à 5 465 points, où passe actuellement la moyenne mobile à 20 jours. Les sommets de 2018 à 5 658 points restent en ligne de mire. En dépassement, on pourra viser 5 790 points, et ce, tant que la zone de support comprise entre 5 465 et 5 400 points n'est pas enfoncée. Portez-vous à l'achat sur le Varan Call 4812T, émis par Unicredit, de prix d'exercice 5 625 points et de maturité au 20 septembre 2019. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Bonne journée et à demain.